الآن عزيزي المشاهد عليك ترجمة هذه الجملة باللغة الفرنسية. هل تتذكرني أم لا؟ كيف أعبر عن هذه الجملة؟ حاول أن تفكر قليلا. Oui, très bien. Tu te souviens de moi ou pas? Tu te souviens de moi ou pas? Tu te souviens, ça c'est le verbe se souvenir, yani yatadakkaru. Tu te souviens de moi ou pas? الآن إذا أردت أن أقول لا تنسى ما قلته لك. نعم, n'oublie pas ce que je t'ai dit. N'oublie pas ce que je t'ai dit. On a le verbe oublier, yani yensa, et le verbe dire, yani yakulu. N'oublie pas, la tensa, ce que je t'ai dit, ma kultuhu laka. N'oublie pas ce que je t'ai dit. الآن كيف أقول انتظرني هنا لن أتأخر. Oui, très bien. Attends-moi ici, je ne serai pas en retard. Attends-moi ici, je ne serai pas en retard. يمكن القول كذلك. Attends-moi ici, je ne vais pas tarder. Attends-moi ici, je ne vais pas tarder. للاختصار يمكن القول فقط. Attends-moi ici, je ne vais pas tarder. Je vais pas tarder, nous y le ne, la négation, aïe nafi, l'ikhtisar, el kalam faqat, walakin fil kitaba, naktubuha. Attends-moi ici, je vais pas tarder. الآن إذا أردت أن أقول أنت تستحق أكثر من ذلك. نعم, tu mérites plus que ça. Tu mérites plus que ça. On a le verbe mériter, yani yastahiqo. Tu mérites plus que ça. الآن إذا أردت أن أقول لا تقاطعني من فضلك. نعم, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. On a le verbe interrompre. Ça veut dire couper la parole, yani yuqati' al-kalam. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. الآن إذا أردت أن أقول اسأله أين ركن سيارته, يعني أين أوقفها. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, demande lui où il a garé sa voiture. Je répète, demande lui où il a garé sa voiture. On a le verbe demander, يعني يسأل أو يطلب, هنا جاءت معناها اسأله, demande-lui, اسأله, où أين, il a garé, يعني أين ركن, garé, يعني يركن السيارة, sa voiture, يعني سيارته, demande-lui, où il a garé sa voiture. الآن إذا أردت أن أقول أود أو أرغب أن تأتي معي, كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, j'ai envie que tu viennes avec moi. J'ai envie que tu viennes avec moi. Que tu viennes, ça c'est le verbe venir conjugué au subjonctif présent. J'ai envie que tu viennes avec moi. الآن إذا أردت أن أقول لم يقل كلمة واحدة. Oui, très bien. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Une autre phrase. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Tu ferais mieux de ne pas y aller. En arabe, من الأفضل ألا تذهب. هذه ليست ترجمة حرفية وإنما معنى الجملة. Tu ferais mieux de ne pas y aller.
الآن إذا أردت أن أقول نحن نتغدى عادة في الظهيرة أو عند الظهيرة. نعم، nous déjeunons habituellement à midi. Nous déjeunons habituellement à midi. On a le verbe déjeuner, يعني يتغدى habituellement عادة à midi في الظهيرة. Nous déjeunons habituellement à midi. الآن إذا أردت أن أقول إنها مسافة طويلة من هنا إلى المدرسة. نعم، c'est une longue distance d'ici à l'école. C'est une longue distance d'ici à l'école. C'est une longue distance يعني إنها مسافة طويلة. La distance هي المسافة. D'ici من هنا à l'école إلى المدرسة. C'est une longue distance d'ici à l'école. الآن إذا أردت أن أقول هذه فرصة لا تضيع أو لا تفوت، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، c'est une opportunité à ne pas rater. C'est une opportunité à ne pas rater. C'est une opportunité يعني هذه فرصة. À ne pas rater، لا تضيع أو لا تفوت. يمكن القول كذلك c'est une opportunité à ne pas manquer. C'est une opportunité à ne pas manquer. الآن إذا أردت أن أقول لا أستطيع فعل أي شيء آخر، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. نعم، أحسنت. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre. On a le verbe pouvoir يعني يستطيع et le verbe faire يعني يفعل. Je ne peux rien faire d'autre. لنوضح بعض النقاط. Oui, très bien. Clarifions quelques points. Clarifions quelques points. Ici, on a le verbe clarifier en arabe, yani يوضح. Le verbe est conjugué à l'impératif. Le fait المصرف في صيغة الأمر. Quelques points, yani بعض النقاط. Clarifions quelques points. الآن إذا أردت أن أقول هل حدث شيء آخر، كيف أعبر عن هذا التساؤل؟ Oui, très bien. Quelque chose d'autre s'est-il passé? Quelque chose d'autre s'est-il passé? Ici on a le verbe se passer, يعني يحدث. Quelque chose d'autre s'est-il passé? Une autre phrase. أتي إلى هنا على الأقل مرة واحدة في الشهر. Tu peux arrêter la vidéo pour réfléchir. Oui, très bien. Je viens ici au moins une fois par mois. Je viens ici au moins une fois par mois. Ici, on a le verbe venir, conjugué au présent. On a la deyna fi'l ya'ti, musarraf fi'l hadir. Ici, huna, au moins, ala l'aqal, une fois, marra wahida, par mois, fi shahr. Je viens ici au moins une fois par mois. الآن إذا أردت أن أقول عاش حياة صعبة في الخارج، يعني خارج بلاده. Oui, très bien. Il a vécu une vie difficile à l'étranger. Il a vécu une vie difficile à l'étranger. Il a vécu, ça c'est le verbe vivre, conjugué au passé composé. On a لدينا فعل يعيش مصرف في الماضي المركب. Une vie difficile, يعني حياة صعبة, à l'étranger, في الخارج. Il a vécu une vie difficile à l'étranger. Une autre phrase.
هو يشكو من صداع الرأس أو هو يشتكي من صداع الرأس. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il se plaint de maux de tête. Il se plaint de maux de tête. Ici, on a le verbe se plaindre, un verbe de troisième groupe. يعني بالعربية يشتكي عفوا أو يشكو. Le verbe est conjugué au présent. هذا الفعل مركب, un verbe pronominal. Il se plaint de maux de tête. الآن وبما أنه اليوم هو يوم الأربعاء يعني منتصف الأسبوع وأردت أن أقول الوقت يمر بسرعة نحن في منتصف الأسبوع. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ غالبا ما نقولها نعم le temps passe vite nous sommes au milieu de la semaine le temps passe vite nous sommes au milieu de la semaine. Le premier verbe, c'est le verbe passé, يعني يمر. Nous sommes, ça c'est le verbe être au présent. Au milieu, يعني في المنتصف, de la semaine, يعني الأسبوع. Le temps passe vite, nous sommes au milieu de la semaine. الآن إذا أردت أن أقول إنه كما لو كان بالأمس. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم c'est comme si c'était hier c'est comme si c'était hier c'est comme si c'était hier. الآن إذا أردت أن أقول اهتم بشؤونك oui très bien occupe-toi de tes affaires occupe-toi de tes affaires. Ici on a le verbe s'occuper, يعني بالعربية يعتني بي أو ينشغل بي. Le verbe est conjugué à l'impératif, الفعل صرف في صيغة الأمر. أما باللغة العامية فإننا نقول occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de tes oignons كنا قد رأيناها سابقا إذا تذكرتم. الآن إذا أردت أن أقول لقد تركت الباب مفتوحا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم tu as laissé la porte ouverte tu as laissé la porte ouverte. On a le verbe laisser يعني يترك le verbe est conjugué au passé composé la porte ouverte الباب مفتوحا. في العربية نقول الباب مفتوح يعني الباب اسم مذكر والنعت يتبع المنعوت مفتوح. أما في الفرنسية نقول la porte ouverte نضيف e للأدجكتيف ouvert l'adjectif ouvert un adjectif masculin pour le féminin on rajoute le e la porte ouverte parce que la porte est un nom féminin tu as laissé la porte ouverte. الآن إذا أردت أن أقول لا يتحدث أبدا عن حياته الخاصة كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم il ne parle jamais de sa vie privée il ne parle jamais de sa vie privée il ne parle jamais يعني لا يتحدث أبدا de sa vie privée يعني حياته الخاصة privée ça c'est un adjectif أضفنا هنا e لأن la vie est un nom féminin il ne parle jamais de sa vie privée. الآن إذا أردت أن أقول أمي حرمتني من التلفاز كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم مامو ما بريفي دو لا تيلي يعني اختصار لا تلفزيون مامو ما بريفي دو لا تيلي ici on a le verbe privé يعني يحرمو مامو ما بريفي دو لا تيلي. Et la dernière phrase, لقد سئمت من القيام بكل هذا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Je suis lassé de faire tout ça.
Je suis lassé de faire tout ça. Ici, on a le verbe lassé, ça veut dire fatigué physiquement ou moralement. Yani, يتعب جسديا أو معنويا. Le synonyme de ce verbe, c'est le verbe ennuyer. Je suis lassé de faire tout ça. يعني بالعربية لقد سئمت أو تعبت. Je suis lassé. Répète avec moi, je suis lassé de faire tout ça.